Deux jours à tuer est un film de Jean Becker qui est sorti en 2008 avec Albert Dupontel. Alors, ce film est une adaptation du roman de François Despenoux qui raconte en fait l'histoire d'un homme qui apprend qu'il lui reste deux jours à vivre. Dénouement un peu difficile au début du film. Et en fait, il va nous faire une leçon de morale lors d'un dîner avec tous ses compagnons, ses amis, sa famille, sa femme. Il va décider de tout balancer, toute la vérité, tout ce qu'il ressent, tout envers chacun. Il va l'envoyer dans la tronche de tout le monde. Et ce qui est beau dans la découverte de ce film, c'est qu'en fait, on se dit que des fois, on cache beaucoup trop de choses. Et qu'il faut plus facilement dire aux gens ce qu'on pense au lieu d'attendre un problème comme ça pour être totalement franc avec les gens. L'association pour l'Afrique, tu sais que ça marche de mieux en mieux. Et tu fais quoi, toi, là-dedans, exactement? Je supervise l'acheminement. Je donne aussi quelques petits objets personnels. Ça doit leur faire bizarre aux Africains dans le désert de recevoir un sac à main Gucci. Mais l'argent ne fait pas le bonheur. Le meilleur moyen pour que t'arrêtes de dire des conneries, bah, c'est de fermer ta gueule. Alors, ce film a été tourné en partie dans les Yvelines. Donc là, c'était à Neuf-le-Château. Alors, il y a deux séquences. C'est souvent avec ses beaux-parents. À un moment, il raccompagne sa belle-mère à la sortie de la clinique. Et à un moment, il croise sa famille, pareil, devant chez eux. Ce film, du coup, il est à la fois tragique, dramatique, il y a un petit côté aussi un peu thriller, parce que tout au long de la première partie du film, on ne sait pas encore ce qui l'attend, pourquoi, qui est-ce qu'il voit comme ça en tête à tête. Justement, quand il apprend ça dans un bar avec son médecin en fait, qui la suit. Sa femme croit qu'elle le trompe. Enfin, voilà, ce sont que pas mal de sous-entendus qui se créent et qui forment ce renfermement en fait, sur lui, cette pression qui, à un moment donné, va éclater.